La JNSH, c'est quoi? C'est un événement qui sert à promouvoir le sport et le handicap, sensibiliser le grand public à toutes ces problématiques-là, faire en sorte de montrer, de faire comprendre aux personnes que le sport handicap a des bienfaits, que c'est un facteur d'inclusion sociale aussi. Les objectifs de la journée, c'est de mixer tout public, permettre de briser les barrières entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides. On propose tout un tas d'activités touchant au sport et au handicap, comme le tordball, qui est une activité qui se pratique à l'aveugle, le volet assis, la dégustation à l'aveugle. C'est important d'être là par rapport à stimuler un petit peu au niveau sport et handicap, parce qu'il y a encore des choses à faire au niveau d'évolution. Je pense que le sport est fait pour tout le monde. Il y a Paris 2024 qui se présente et c'est bien de faire connaître le sport à travers l'handicap et le faire connaître aux jeunes. Et je pense qu'avec mes connaissances d'ancien athlète de haut niveau, je peux apporter des choses aux jeunes.